Bonjour, je m'appelle Laurent et je m'occupe de la jardinerie Plaisible. Je vais vous présenter deux outils aujourd'hui, deux outils pour aérer le compost. Alors, je garde le brasse compost pour la fin. Voici la tige aératrice améliorée. Donc, par rapport à la version initiale, j'ai plié à 30 cm le bas de l'outil, ce qui permet en fait de l'utiliser plus simplement pour retirer les apports et les mélanger, et ensuite on peut l'enfoncer plus profondément pour avoir les matières qui sont plus en profondeur. De l'autre côté, voilà pour la tige aératrice. Maintenant, le brasse compost. Alors ça, c'est le mien que j'utilise depuis 2011. Alors c'est un outil très simple qu'on peut visser. Et ensuite, pour tirer dessus, pour ne pas se faire mal au dos, je prends appui sur le composteur et je tire. Et j'éparpille. Je continue. Voilà, alors là ça fume, on est à 60, un peu plus de 60 degrés là. J'ai eu de la pelouse il y a quelques jours et donc ça a bien monté en température. Alors dans un composteur, souvent le problème c'est la pelouse. Moi ça me gêne pas de mettre 30 cm sans problème de pelouse d'un coup, parce que en fait ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser le brasse compost pour aller sous la couche de pelouse et atteindre en fait la couche qui est déjà en décomposition, et je secoue par dessus. Autre avantage aussi du brasse compost, c'est que pour le contenu de mon bioseau, alors voilà, là j'ai mes apports du jour. Ce que je vais faire avec le brasse compost, c'est que je vais tirer et faire un trou, et je vais vider le contenu directement à l'intérieur du compost, et je recouvre par dessus les apports. Donc ce qui me permet en fait de ne pas avoir de nuisance en fait. Tous les apports vont se décomposer très rapidement parce qu'ils sont au contact de la matière déjà en décomposition, et donc des micro-organismes, des bactéries, tous les organismes du compost. Alors ça va permettre de mettre, ça me gêne pas de mettre même de la viande, du poisson, parce que il n'y aura pas d'odeur en fait, donc ça ne va pas attirer les nuisances d'animaux sauvages. Voilà, quelques tours de brasse compost et le tour est joué. Ma pelouse est complètement mélangée et va se décomposer très rapidement. Voilà, n'hésitez pas, vous pouvez retrouver ces deux outils dans la boutique en ligne, expédition rapide par la poste, pour être directement chez vous au composteur. Je laisse ces outils tout le temps dans le composteur, ça ne pose aucun souci. Voilà, merci.